اصدقاء السلام عليكم اليوم بغيت ندير معكم واحد لا فيديو بغيت ندير معكم واحد بلوتو واحد المقارنه واحد المقارنه باش نوريكم التبدير التبدير ديال الدرام و لا اللي كاينه في بلاد الجزائر بغيت ندير معكم واحد المقارنه ديال جوج ملاعب كره القدم الملعب ديال تيزي وزو نورمالمون خصو يكون ليبر عرفتو هداك الملعب ديال, ديال تيزي راه بداو فيه ألفين و أون دوميل ديس إي اه فيني هما قالولك دوميل ديزويت دوميل ديزويت راهي تقادات D'abord, le Keguro 2019. 2019, il a un matériel, mais il n'a pas encore été commandé. D'abord, on leur promet, comme quoi le terrain va s'ouvrir au mois de mars, que la JSK va jouer la fin de saison sur le terrain. Et, وهاد هاد هاد الماتريال لي خصهم يجيبو من الخارج إلنا با أونكوغ إيتي كوموندي إي سي أن كغو مونتون دراهم فهمتي سي تري غرو مونتون باش باش تعطى لا ديسيزيون باش هذيك السلعة لي غتكوموندا من برا تكون مقبولة خصها واحد الوقت وخصها أ مينيموم ديال شهرين عاد توجد على برا Ouais, quoi. Déjà, vous, êtes, vous pouvez être sûr et certain que n'y aura pas l'ouverture du terrain de Tizi ne se fera pas le mois de mars. Parole de diaspora, de Non, je suis sur le ici. Comme je vous l'ai déjà dit

ثلاث شهور قد قد حيت هاد هاد لي كان جور ديال ديسمبر ما تحسبوهاش ا بارتيغ ا بارتيغ دو دي 20 ديسمبر صافي الناس كلهم كيسافروا لا فان داني نوال وكلشي راه المسؤولين الجزائريين كلهم اما شي وحدين هنا في المغرب شي وحدين في تركيا شي وحدين في دبي شي وحدين في فرنسا ما كاينش اللي غادي يقابل الشغل فهمتيو دونك الا جيت تحسبوا على العمل حسبوه حتى

tu peux bâtir jusqu'à 4 terrains de foot. La même société peut bâtir jusqu'à 4 terrains de football en 10 ans. 2 mois et demi, 2 mois et demi, 2 mois et demi. Comme si... J'ai 2 mois et demi. Ou regarde, regarde, 3 ans, il y aura 2 ans et demi d'en faire un terrain de foot. Comme si... À 2 ans et demi, tu en as 4. Terrain, ça te fait 10 ans. Voilà. Alors, euh, alors, le coût de construction, je vous le laisse, voilà, en euros, comme ça, en première ligne, hein, enfin, deuxième ligne, voilà, la deuxième ligne, c'est 448 millions d'euros. Voilà, 488 millions, 448 millions d'euros. Voilà. La capacité de dialogue, 50 766 spectateurs. cest à dire que 766, elle reste dehors. il y aura 50 000. Vous voyez, le nouveau stade de Ouzou est le futur stade qui est en construction pour le club le plus titré d'Algérie, la GSK de Kabylie. Mais bon, là, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est la première ligne. La première ligne, 300. 48 مليون دورو هي كي نو باش كان بنا بغيت نو انا علاش انا غندير هاد الفيديو قال باش كي نوريكم و المشكل دابا لو بلو غراف دون تو سا سي كو لي الجزائريين اي سون لا اي فوا اي فوا وما كيشوفو بلي الفلوس راه كتخون فلوس الشعب فلوس النفط كيديوها كي بحال داك حداد واش حدد هادي رجع اللوري يرجع 15 اش كان غير 20 اون هادي 20 اون اش كان والو ريان ريان ها لي سي دي بلو ريش اوم دالجيري قاع هادوك لي ريش اون هذاك تليبا وهذاك واش نقول لو سول بوتيت جو ديري لو

Les Bnei ou les Moukawil, peu importe, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. La société qui va se charger de la construction de, de n'importe quoi, elle double son prix. Parce que la moitié, elle, il faut qu'elle le donne aux responsables algériens. Et c'est pour ça que les coûts de construction en Algérie, les coûts de travaux, tous les coûts de ce qui se fait en Algérie, c'est trois

le, le Stade de France. Voilà. Le Stade de France, voilà. C'est un match polyvalent. C'est je, je un, euh, un terrain de foot où l'on peut jouer au foot, où l'on peut jouer du rugby, où l'on peut se servir comme euh, un, stade un terrain d'athlétisme, et en dernier, on peut y faire des concerts de musique. Voilà. Alors, rentre-moi en première ligne. Voilà. En première ligne, je soixante 364 millions d'euros. a une différence entre 348 et 364. Euh, oui, Attendez voir. Il y a 16 millions d'euros. 16 millions de 48, euh, c'est deux. Ouais, c'est ça. Alors, il y a 16 millions d'euros de différence. Mais, 16 millions d'euros. Mais, chez il y a... Mais, qu'est-ce la différence entre le stade de France et le stade de Tiziouzo Pourquoi Parce que regardez le nombre, je fais la première ligne toujours, le nombre de de spectateurs, il est 80 000 alors que 80 000 alors que Etizioso c'est 50 000. L'athlétisme, 75 000 il peut recevoir. Spectacle il peut recevoir jusqu'à 90 000. C'est selon la configuration. Et le, le record d'influence avec le terrain, une fois il y a eu, il y a eu 80 056 56 lors d'un match, euh, le FC de Rennes, ma Gengo. Et il a, a un le rugby, au 1er, au 1er, au 1er, la Coupe du Monde, jette 80 000. Le Ou concert, le concert, un concert de les Hutus. J'adore, j'adore avec, avec, avec le groupe les Hutus. Waouh, waouh, terrible. Je, 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 je les aime. Il y a eu 96 000, presque 100 000 spectateurs. Petit. Alors, maintenant, moi je vous demande, est-ce qu'il y a une comparaison à faire entre le stade, les frac-pinetums, les taches de d'euros, ma le stade de la Téziouzo, ou Qatar, le Zézer, je ne sais pas, la main-d'oeuvre en Algérie, mais la main-d'oeuvre en France. Alors, le SMIG, le SMIG, la main de la main de française, si j'ai peur de me tromper, c'est vague. Je ne pas plus de 15 fois ce que touche un Français par rapport à un Algérien. Parce qu'il y a 1300, 1200, 1400 euros par rapport au SMIC algérien qui est de 18 000 dinars. Je ne il n'y a pas de comparaison à faire, merde. Qu'est-ce que je raconte Il n'y a pas de comparaison à faire entre les deux, entre les deux, un salaire, de, le salaire d'un Français et le salaire d'un Algérien. Il n'y a pas de comparaison à faire. Alors, alors vous vous rendez compte Les coûts de les deux terrains ils sont presque pareils, 15-16 millions d'écarts, Alors, maintenant, le terrain de foot Maghdis, youjde, le... dans trois mois. Mais aujourd'hui, tu as en fait mars. Je vais vous donner la preuve, la preuve. Comme je vous ai dit, comme je vous ai dit, les 15 jours, les 4 décembre, c'est la dernière semaine de décembre, il ne faut pas la compter. La dernière semaine, de... tout le monde voyage, tout le monde ferme, plusieurs chantiers sont arrêtés. Alors, alors euh, on va commencer à lire ici. À la première ligne. Voilà, à ces nombreux fans. Voilà. Alors, on commence là. La réception du projet du grand stade de Ouzou, tant attendu, se fera donc au plus tard, le mois prochain. Euh, le mois de mars prochain. Le mois de mars prochain, c'est du moins ce qu'assure le directeur de la jeunesse et des sports locales, Dahman Ettach. Si tout va bien, le, la réception du stade se fera dans trois mois au plus. Il ah n'y ben, a pas plus. Alors maintenant, on a trois mois. On a les trois mois plus tard. Hein? OK, on est bon. On fait en sorte de réduire encore ce délai. Il sont possible de le réduire alors que. Mais on est sûr et à l'aise pour le mois de mars. Tranquille, soyez à l'aise. Ne vous en faites pas. Le mois de mars, vous aurez votre terrain de football. OK Affirme-t-il en assurant. Zed, ou, ou, ben, la JSK va jouer proche, la saison prochaine dans ce stade et pourra même y jouer les derniers matchs de la saison si elle veut. Sinon, euh, on peut inaugurer le stade avec un match gala. Euh, bon, L'optimisme du responsable est justifié par la disponibilité de l'argent. la planche de la en 2017, la construction

هذا الى درام هو دابور الي كابيل نورمالمون كان خصو يخدم بالفرحه لبلادو تقبل تمازيق الناس فهمتي <applause> المهم الور ويخدم كاع فابور باسكو غراتوي نورمالمون ا سا بلاس مون جو دوغي ترافاي غراتوي بور بور البلاد المنطقه ديالي

ما كانش عندنا باش نخلصوا لي فونكسيونير ياك كسمعتوا هذه ماشي اللي كنقولها مود نوفمبر ديرني ديال ماشي ديرني ديال, ديال 2017 لارجيري نافي بلو دو كوا بيي بي لي فونكسيونير الو حداد ماشي يقول زعما ماشي يقول في راسو انايا هاد لا ريتشيس اللي انا فيها هاد لي مليار كو جو بوسيت هاد لي بيان ايموبيلي كو جو بوسيت دالي ترونجي سي غراس ا لالجيري eff... كو لي زيف كو جو لي زيفيه سي لالجيري كيا في دو موا جو سوي دونك جي ساي دو روندغ الخير اللي درت فيه لالجيري نخليها ندير نرجعو ليها بالملايير اللي عندي انا شاش فيها كاع ماشي دابا المشكل ما غادي يعطيش من جيبو غادي يعطي من جيبو ايه ولكن غادي لو واحد تجي واحد الوقت غادي يعاود يتخلص في فلوس الدراهم ديالو هو لا الفرنك اللي دخل ما يخرجش حيت لالجيري نافي بليزيوغ بروجي عقلتو À partir de novembre, quand elle n'avait plus, quand elle mais avant novembre, elle n'avait plus de quoi payer les fonctionnaires. Gaoukfo, à plusieurs chantiers de trains, plusieurs chantiers de travaux. J'ai mené Hajoukfo. Mais nous, had, 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 le terrain de foot des Tizouzoukfo. Pourquoi Parce que l'Algérie n'avait pas d'argent à donner au Benaya. J'ai mené Benaya au لي 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 بروموتور ايموبيلي وقفو مشاو بحال شي وحدين مشاو بالاخص الترك وهذا نيت هذا العام اللي فات ما كنتوش حضرتوا لي غراف ديال لي شينوا اللي ما تخلصوش وكل شيء المهم اللور هذا عليه حداد ما قالش لا انا نكمل الخدمه من عندي ومن بعد نعاود نخلص لا هو تا هو وقف باش كتعرفوا باش كتعرفوا بلي هذوك الناس دايرين الجزائر ما كيعرفوا غير يحلبوها ما كيمشيش شو يعطوها شويه تاكل راه داكشي اللي كتاكل الجزائر راه ماشي من الشعب ديالها ماشي من الحكام ديالها راه الله سبحانه وتعالى اللي داير النفط في الارض وكياكلوه هما اما الجزائري ما يعطي والو لبلادو لا حكام ولا شعب ولا ولا ولا, ولا دوك لي زوم دافير والو ما غير كان ما يحلبو منها Mais si Goul dit que le promoteur de l'Allié l'homme d'affaires, il dit bon, l'Algérie est en panne, elle n'a pas d'argent, je vais essayer maintenant de finir le travail, après je vais me faire payer. Non, 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 l'Algérie n'a pas d'argent, j'arrête le travail. C'est comme ça que ça réfléchit, ces gens-là. Je continue sur la date des trois mois. Bon. Je trouve le. Bon, un accord. La Première ligne, tout à fait à la fin. Le wali, ce jour-là accorde jusqu'au bout de la saison sportive de remettre le stade. Bon, le DJS DG, le rassure sur la situation financière. Grâce à l'intervention du wali et du ministre, nous avons pu arracher le 2 milliards de révision qui était en blocage. Bon, Flous, les ont.

on a une de crédit, euh, bon, mais on a reçu cet argent que la semaine dernière. L'article est d'aujourd'hui. Alors, là, donc, le drame, je vais Voilà. Et là, on est en train d'engager toute la procédure. La ligne de crédit sera normalement ouverte la semaine prochaine. Voilà, c'est de bahad, à la semaine la ligne du crédit va donc la semaine prochaine on est combien nous sommes le 14 la semaine prochaine on est le 21 du mois drame donc la fin du le mois de décembre bicha. et maintenant on chauffe les commandes les commandes donc euh, après le, 20, après le 20 décembre, c'est la fin de l'année. Donc, ce que tu as dit, début de l'année prochaine, début janvier. Alors, début janvier, Romain arrivant commandé. Je vais vous dire, je vais vous dire, quand on entend la procédure, la contrainte bureaucratique, voilà, tout ça, je vais. Alors, je vais trouver le la, 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 la truc comme en... que c'est. Faut que je trouve de la oh, oh, que je trouve l'histoire de date. Bon voilà, on a trouvé. Alors l'enveloppe financière accordée au projet, explique DGS, va servir au Somalia. T'as pas de chez t'as pas de chez les restos le projet. Dès le stade de France. Sont, va servir à l'importation de l'équipement. Tout ce qui est construction. Est achevé. Les routes sont faites. Les bordures, les charpentes, les trottoirs, l'éclairage. Les, les gradins sont achevés. Les peintures en cours. La faïence est déjà faite. Pour ce qui reste à faire. Monsieur Itache parle de quelques équipements tels que les points de contrôle d'accès les caméras la résine de sol la résine de sol la première, la, la première ligne les panneaux de signalisation et d'affichage la boiserie les houdes, et la robinetterie tous les robinets pour la, les douches les pour le gazon naturel et la piste d'athlétisme la DGS doit soit donc pour le gazon naturel Bakr d'air ok, on est d'accord. Pour le gazon naturel Hetsikuluch Dervkchor, le gazon naturel et la piste d'athlétisme, le DGS doit choisir une autre entreprise. sud de il doit choisir une autre entreprise. le même tout ça, euh, en effet. Cette dernière, d'après le DJ, ne travaille pas au stade de euh, euh, travail au stade d'Oran. Il ne pourra être disponible au mois de, au mois voulu, c'est-à-dire euh, c'est-à-dire mars. Elle pourra. La Sherika, les canobaresines de moment, hein, le pour le pour le gaz, le terrain ou plutôt non. Le gazon et la piste d'athlétisme, elle ne sera pas disponible. Radda khal bo la Sherika Alors la Sherika ochara on va dire le gazon naturel ou la piste d'athlétisme. Et tout ça dans trois mois. Vous comprenez Voilà. Bon, ils sont très avancés. Avant-hier, on a commencé à faire la vitrerie dans le bureau rideau. Pour le reste, euh, bon, tout ça, ça ne nous intéresse pas. Mais jusqu'à présent, je n'ai toujours pas trouvé.

au, moment, voilà. au mois de janvier on ne pourra pas payer les entreprises à cause du contrôleur financier ça ne vous intéresse pas il faut excusez moi j'arrête avant de bon bon voilà il me fallait trouver euh, la date alors maintenant la ligne la première ligne hein. la ligne de crédit sera comme normalement ouverte la semaine prochaine à partir de là les équipements pourront être importés. Les équipements pourront être importés. là donc à partir de la fin d'année, ils vont importer les équipements. Ça prendra peut-être 2 à 3 mois avec le, 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 le transport et le dédouanement. Ouasmouli, euh, yango, ma. Gna. Le flou, le drame, il va la semaine prochaine. La ligne de crédit sera ouverte. La, donc, il est la semaine prochaine, c'est-à-dire décembre prochain. mais les fêtes de fin d'année prochain, donc janvier. Alors fin janvier, de janvier à fin mars il y a trois mois. ça prendra deux à trois mois avec le transport et les douaniers. Donc deux à trois, trois mois, ils vont recevoir.

Trois mois, ça ne sera pas possible. Dans trois mois, c ils vont recevoir le matériel. Alors, dans trois mois, c'est fin mars. Donc, le, le terrain ne sera pas livré. Ne sera jamais livré. Aklou, parole de l'Houerie. Ne sera pas livré fin mars. C'est comme je vous l'ai déjà dit. Le, le, le stade, le, pas le stade plutôt, le, la mosquée, elle ne sera pas livrée à la semaine. Parce que, comme ils avaient dit, décembre 2018. Ah ouais, décembre 2018, ça nos elle Les gars, je voulais vous dire pourquoi j'ai fait cette vidéo. Pour vous dire le niveau de corruption dans ce pays-là. Le niveau de corruption chez ces personnes, ces hommes politiques qui gèrent ce pays. Et ce qui est grave, c'est le sommeil et le silence du peuple algérien qui est là juste à regarder sans agir. Portez-vous bien. Allez, à plus.